Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous parler du concert de Ariana Grande qui va arriver sur Fortnite très prochainement. Donc logiquement, il arriverait dans quelques jours. Donc je vais vous en dire un peu plus. Alors déjà, ce qu'on peut, on peut savoir, c'est que ces trois posters, ils sont arrivés en même temps que le compte à rebours qu'il y a dans le ciel sur Fortnite. Alors ces posters ne sont pas anodins parce qu'en fait, il correspond normalement, apparemment, même c'est même sûr, hein, ça correspond à Ariana Grande. Alors tout simplement, ici, le poster du cochon, eh bien en fait, ça serait le cochon de Ariana Grande qui s'appellerait Pinky ou un truc dans le genre. Alors là, l'animation, elle est un peu buggée parce que normalement, les yeux deviennent jaunes. Et là, en fait, ben, c'est un peu grisé, donc l'animation est un peu buggée. Normalement, on interagit avec et ça fait les yeux du cochon jaunes. Donc ça, c'est pour le poster comme ça, de Pinky, donc le cochon de Ariana Grande que je vous affiche une image à l'écran. Donc voilà, c'est son animal de compagnie. Je reviendrai dessus après. Alors ici, nous avons un deuxième poster ou deuxième affiche qui représente une sorte de pioche qu'on peut interagir aussi. Et normalement, il y a des couleurs qui s'affichent, mais là, les couleurs, elles sont un peu buggées, j'ai l'impression. Donc cette pioche, en fait, ça représenterait le parfum préféré ou un parfum que Ariana Grande fait la promotion ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça, ce serait encore un lien avec Ariana Grande. Donc ça, ce serait son parfum. Mais je reviendrai aussi là-dessus. Donc je vous affiche une image avec le parfum en question de Ariana Grande. Et ici, nous avons en fait un arc-en-ciel qui symbolise en fait une musique de Ariana Grande qui est en feat avec Lady Gaga. Donc je vous affiche aussi une image à l'écran. Donc voilà, ces trois posters sont associés à Ariana Grande, c'est sûr et certain. Alors j'aimerais bien revenir sur un fait de ces trois posters, que en fait Ariana Grande pourrait être un skin sur Fortnite qui arriverait prochainement. Et en fait, ce qu'on pourrait comprendre alors, mais c'est pas sûr, c'est juste moi qui pense, c'est que ce serait une pioche associé au pack de Ariana Grande, donc avec le skin. Donc on aurait cette pioche donc qui tient son parfum, donc peut-être une animation de parfum quand vous frappez avec. Ici, nous aurons son animal de compagnie qu'on pourrait avoir comme accessoire de dos par exemple. Donc je pense que c'est fort possible que nous ayons son petit cochon, donc Pinky, en accessoire de dos. Et ici, peut-être même un planeur, donc un planeur en forme de nuage, et quand vous planez, ben ça crache un arc-en-ciel. Donc ça, c'est moi qui pense, après il n'y a rien de sûr. Alors maintenant, je vais vous parler du compte à rebours. Donc le compte à rebours, il est arrivé en même temps que ses posters. Donc moi, ce que je pense, c'est que le compte à rebours qui est arrivé sur Fortnite depuis la dernière mise à jour est associé non pas à l'événement final de la saison 7 de Fortnite, mais plutôt associé au concert de Ariana Grande. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, le compte à rebours indiquerait que l'événement se passerait entre la nuit du 6 au 7 août, et en plus, il se passerait à minuit. Alors déjà, on n'a jamais vu d'événement de fin de saison qui commencerait à minuit, mais plutôt vers les 18h, 19h. Voilà, ça c'est les événements de fin de saison, à chaque fois c'est vers ces alentours. Et les événements qui se passent vers minuit, 1h ou 2h du matin, ben c'est surtout les événements qui sont liés à des concerts comme Marshmello, Travis Scott et bientôt Ariana Grande. En plus de ça, la fin de la saison 7 de Fortnite, c'est en septembre, donc je ne vois pas pourquoi il lâcherait un événement début août, or que la saison 7 de Fortnite se termine en septembre. Je trouve que ce ne serait pas logique. Donc franchement, tout amène au concert de Ariana Grande. Donc c'est sûr et certain, pendant la nuit du 6 au 7, il y aura le concert de Ariana Grande. Et ce que vous devez savoir aussi à propos de cet événement, c'est que le vaisseau mère va s'ouvrir et va se déplacer sur la map. Alors il va se déplacer à trois endroits bien précis. Il va se déplacer à Coral Castle, ensuite il va aller sur Slurpee Swamp et il va aller à Corny Complex. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le vaisseau mère va tirer ou absorber ces trois villes, et en fait ces villes vont être détruites et vont être en apesanteur comme je vous le montre dans le gameplay. Donc voilà, Ariana Grande va arriver sur Fortnite, ça va faire du grabuge et elle va carrément modifier la map.
Donc bien entendu, je pense que ça va être un gros événement à ne surtout pas louper. Et une dernière chose, c'est qu'on est dans une saison avec des extraterrestres et plein de trucs étranges un peu comme ça, un peu à la Lady Gaga. Et justement, Ariana Grande a fait des feats avec Lady Gaga, donc ça ne m'étonnerait pas que ça ressemble un peu à Ariana Grande, ce genre d'univers. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.